victoire. Merci. Comment vous êtes senti pendant ce match? On vous a vu grimacer dans le troisième quart-temps. Oui, oui, ça va. J'ai reçu un coup qui fait assez mal. Après, ils n'ont pas voulu prendre de risque pour la suite du match. Donc voilà, parce qu'on a une grosse rencontre qui nous attend dimanche avec l'Ukraine. Mais c'est un coup qui n'est pas... Voilà, j'espère qu'il n'y ait rien de grave. J'arrive à marcher quand même. Donc on verra. Je vais faire les soins qu'il faut. Mais ça va aller. C'est les choses qui arrivent. En tout cas, voilà, je suis contente de la victoire. Et qu'est-ce que ça fait pour vous? Là, ce soir, c'était votre 131e sélection, ouais. Si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce bagage-là au sein du vestiaire? C'est quelque chose, je suis hyper honorée. De toute façon, à chaque fois que je porte ce maillot, que ce soit la première ou la 131e sélection, c'est toujours un régal pour moi. En plus, là, la salle était pleine. J'adore. La salle est vraiment top. Les installations, on a eu vraiment des conditions optimales pour travailler. Donc voilà, c'est une fierté de porter ce maillot. Et dernière petite question, vous jouez avec Marine Joannès, avec qui vous jouez en club aussi. Oui. Qu'est-ce que ça fait de se suivre comme ça un petit peu partout en sélection, en club? C'est vrai que je la supporte. Non, je rigole. Non, mais voilà, il n'y a rien qui change. Mais voilà, on a un autre uniforme, mais on est toujours, voilà, on s'entend très bien, on est assez proches. Donc voilà, quand on vient ici, c'est pareil, on a les mêmes délires. Voilà, elle fait du marine sur le terrain, pareil. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui change en fait. Club ou équipe nationale, c'est la même. Voilà, on s'entend très très bien. Merci beaucoup, on espère vous voir dimanche. Oui.